Et salut à tous les amis, c'est Zaza, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Tarkov, la map Street of Tarkov. Donc on est en PMC, je suis sorti à l'AK-74U avec un petit T4 et un Comtac 2 au niveau du casque audio. Nouveau style des vidéos, nouveau format. Malheureusement sur les vidéos où j'aurai pas de commentaires lors des games, où ça parle pas et que je suis vraiment concentré sur le jeu. Je décide donc de rajouter un commentary donc en arrière-plan, c'est-à-dire que là je suis sur le montage, je parle par-dessus la vidéo, mais je vais essayer de vous expliquer un petit peu la game, etc. Tout ce qui s'est passé pour dynamiser la vidéo et vous permettre à vous de vous intéresser un peu plus à la chaîne et à moi personnellement. Petite info aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Twitch qui est dans la description. On fait des streams de temps à autre, on est là, on s'amuse avec les mecs qui rejoignent, on rigole, il n'y a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut, c'est vraiment open bar comme on appelle ça. Mais du coup, voilà. Je vais pas trop parler, je vais essayer de parler sur le commentary. Alors là, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé, j'étais tranquillement en train de loot et j'ai entendu un mec marcher. Donc ce que je décide de faire, c'est marcher en sneaky et vous allez voir la suite. Je vais pas trop parler, je vais vous laisser avec le jeu. Et voilà. Donc là, on entend très bien, hein, son collègue qui est au-dessus, qui est en train de loot au-dessus. Je suis tranquille, j'ai son collègue qui est en bas qui est mort. Je décide de reload un petit peu tranquille. Donc je joue de la PS et de la BP, hein. Je joue les deux mélangés. Ça permet d'avoir un assez gros calibre, hein. Surtout un début de wipe comme ça. C'est vraiment avantageux. Donc là j'entends un mec dehors. Je me pose la question de savoir si c'est un joueur. Et là le tir de son collègue m'a confirmé que c'était bien un scav, hein. C'était bien un scav. Du coup là il push. Malheureusement, je rate mon spray. Il décide d'aller dans la pièce juste à côté de moi. Je récupère la petite SA58 de son collègue. Je vais fouiller aussi les poches. Essayer de récupérer une ou deux grenades. Ça va me mettre très utile pour le fight. Donc là, on récupère trois grenades. On a l'avantage de malade. On est en décale droite. Il est en décale gauche. Donc, je balance une grenade ici. Ça me permettra de faire une diversion, hein, pour pas qu'il m'entende, et je décide de balancer une grenade au niveau de la fenêtre de là où il est. Donc là je rush. On entend courir. Donc là il est mort. Donc je vais loot tranquille, hein. Donc voilà, hein, petit T4, gros sac à dos, ils m'ont mis vraiment très très bien. Donc là, un autre bruit, hein. J'entends encore un mec. J'aurais pu essayer de le rush à ce moment-là, mais je décide de temporiser, hein. Vous le voyez à la caméra, les gars, je suis concentré de malade. J'essaie d'écouter, hein. C'est un jeu où il faut vraiment écouter. Il nous balance une grenade là, donc je décide de back un petit peu. Ok, il la rate. Il rebalance une grenade, elle atterrit juste devant moi. J'ai de la chance, hein, que ce soit pas une grenade d'impact. Donc je décide de rebalancer une grenade pour faire diversion, mais bon. Vous allez voir ce qui va se passer. Hop, petit spray en l'instant. Hop, j'entends qu'il y a encore un mec à ma droite. Donc au niveau des bureaux là où il y a les ordinateurs. Donc là je décide, hein, je suis vraiment dans une très 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 mauvaise position. On décale Say gauche. hello to my little friend. Donc on parle, hein, pour chambrer l'adversaire toujours sur Tarkov. Donc j'essaie de la décale droite, mais je vois rien, il y a les fleurs. Lui par contre me voit, je retente. Je trouve ça bizarre, ok, il me l'a mise. Et donc là je lui mets un spray qui l'instante. Donc je sais pas exactement, je me rappelle plus exactement les balles qu'il y avait dans le SA. Mais surpris de cette arme les gars, elle était vraiment, vraiment, vraiment sympa. Là on peut voir, hein, en 2-3 balles, j'instante les mecs. Donc c'est vraiment cool. Donc là, je vais loot tranquillement le stuff, etc. Hein, je vire la petite AK-74U que j'ai lootée, hein, parce que elle me sert plus à grand chose. Étant donné que c'est une arme qui vaut 26 000, hein, c'était ou 30 000, je crois. Une de mes armes favorites pour ce début de wipe.
Pas très cher, pas très compliqué à modder avec un viseur justement et avec de la PS ça faisait largement le taf honnêtement. Et puis pas besoin de l'acheter et de l'équiper pour 100 000 hein. C'était on appelle ça un stuff de rat. Donc c'était cool. C'était cool, c'était cool. Mais vous l'avez compris en tout cas les amis, hein, ce nouveau format me fait extrêmement plaisir. Je suis très hypé de ce nouveau format. J'espère qu'il vous plaira aussi. Un maximum de commentaires et un maximum de pouces bleus si vous avez kiffé cette petite vidéo. Là malheureusement, sur un gameplay comme ça, je ne peux pas non plus vous parler pendant 30 minutes. Donc il y aura une petite phase où ce sera vraiment que du gameplay pur et dur, si jamais. Donc voilà. En attendant, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à me rejoindre sur la chaîne Twitch. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, les amis. C'était Zaza, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace.
Un bête de run là. Viens de faire un run de malade en vrai là. Il y a duré longtemps en plus ce run. On tue 4 joueurs je crois. 1, 2, 3, 5 joueurs je crois. 1, 2, 3, 4 et plus un joueur à l'XT. La SA58 c'est une dinguerie. Hein. Régalade.